Bonjour à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, présentation, déballage d'un tout nouveau modèle de la toute jeune marque Verny. Vous l'aurez compris, c'est le Apollo Light. Je vous montre que la boîte et on va découvrir ensemble le téléphone, mais sans le test. Juste une revue, déballage, présentation. À tout de suite, on y va. Voilà donc le Verny Apollo Light, le temps attendu, le temps annoncé par la toute jeune marque Verny, donc le Apollo Light et sa boîte, dans le même style que le Thor, hormis le fait que cette boîte est d'un aspect, on va dire, plus velours, beaucoup plus agréable au toucher, beaucoup moins carton, donc un peu plus, on va dire, haut de gamme. Malgré tout, voilà, quelque chose de sobre, mais assez classieux pour ne pas faire trop bas de gamme. Au dos, vous avez une étiquette collée, bien entendu, rappelant les principales specs de ce smartphone. Vous savez déjà très certainement donc, que ce Verny Apollo Light est équipé du X20. Est attendu le Apollo qui devrait normalement être équipé du X25, le Helio X25 contre le Helio X20 sur cette version Lite. Un Verny Apollo Lite qui contient donc le MediaTek Helio X20, 4Go de RAM, 32Go de ROM, un USB type C, la 4G bien entendu, catégorie 6 est annoncée, Android 6.0, en vidéo en 4K, donc ça sera à tester. Un capteur de 16 mégapixels à l'arrière, un écran 5.5, un Sharp XO, un dual SIM dual standby, bon classique, metal unibody, ok, du Corning Gorilla Glass 3, une batterie de près de 3200, donc qui sera testée bien entendu elle aussi, un Quick Charge Pump Express 3.0 et un scanner d'empreintes. Voilà. Alors une boîte, c'est quelque chose de très très simple hein, chez Verny. J'ai déjà retiré les films tout de suite à la livraison parce que bon voilà, je voulais pas m'encombrer de ces films. Donc un film au dos rappelant en fait l'utilité des boutons, carte SIM, blablabla, et un film d'usine en façade. Une coque plastique qui soutient le téléphone pendant le transport, avec un trou protégeant la caméra, ce qui évite qu'elle soit écrasée lors du transport. Ensuite, donc la petite pochette dans laquelle était le téléphone, une documentation, semble-t-il, je vais passer dessus comme ça, hein, mais semble-t-il assez complète, multilangue français dedans, voilà, en français ici, un QR code qui permet de, je pense, d'aller sur le site directement de Verny. Un chargeur rapide, alors un chargeur rapide ici vous le voyez de 1,5 ampères et non ce n'est pas un chargeur de 2 ampères, bon un chargeur assez lourd semble-t-il, il faudra tester aussi la charge rapide parce que c'était un des défauts du Thor et puis pas grand chose d'autre à part un câble on va dire pas très bien présenté je trouve par rapport à la gamme visée par Verny avec ce modèle. Bon, voilà, un USB type C, et puis le petit outil pour ouvrir le tiroir. Et voilà pour le tour de la boîte. C'est quelque chose de très simple, on va dire même assez basique, je trouve, personnellement. Ça manque d'un petit quelque chose qui montre qu'on est face quand même à une gamme moyenne haute. Donc je trouve qu'on pourrait s'attendre à autre chose, mais bon voilà, c'est propre, c'est l'intérêt déjà, c'est que c'est propre et la boîte est plutôt bien finie. Et donc voici ce Verny Apollo Light. Alors le Verny Apollo Light, première chose à regarder de cette façon comme ça, c'est son design. Un Honor 7, un OnePlus 2 je dirais. Bon, c'est quand même franchement beau, une belle dalle très honnêtement, avec un traitement en surface qui ne laisse aucune trace de doigt. Ça, c'est vraiment tout de suite, c'est ce qui m'a frappé, c'est la finition de la dalle. C'est une dalle en 2,5D sur les contours, mais alors, vous le voyez, regardez bien, il y a un joint en fait tout autour ici.
qui fait qu'on voit très très peu la courbe finalement, parce que en fait la courbe finale est cachée par ce petit joint tout autour, et ce qui fait qu'elle est parfaitement, pas vraiment, mais vraiment très parfaitement intégrée dans le châssis métal tout autour. Donc, je vais faire le tour tout doucement de ce modèle. Vous voyez, bon, on est dans le design actuel, hein, la tendance actuelle. En gros, entre 5 et 6 trous de chaque côté, la prise USB type C au milieu. Ici, vous n'avez pas de rond en fait de chaque côté, comme pouvait le proposer le Echo, mais vous avez donc la caméra ici et vous avez les capteurs qui sont juste ici à gauche. Et il semble que la lettre de notification soit par là, complètement à gauche aussi, parce que je n'ai rien vu de concret sur la droite. Une grille est au fond du haut-parleur. Voilà, c'est des bords aussi très très fins. On les voit à peine, hein, les bords noirs là, on les voit très légèrement, mais ils sont très très fins, comme sur le P9000 de Le Faune par exemple. Et donc sur le côté droit, bah, vous avez le bouton Power, volume plus moins. Sur le dessus, le jack 3.5. Sur le côté gauche, deux tiroirs pour les cartes SIM. Alors, c'est deux cartes SIM ou une SIM et une SD. Voilà, donc ça, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est quand même très très joliment fini. À l'arrière, le capteur de 16 mégapixels, double LED flash 2 tons, le lecteur d'empreintes, un lecteur d'empreintes semble-t-il rapide, et la marque avec son modèle. Pas de logo CE, pas de logo ROHS. Ensuite, en termes de vraiment finition, alors je l'ai vraiment regardé en détail ce modèle, et très honnêtement, il est d'une très belle finition. Pour la simple et bonne raison, c'est que même le châssis ici, il semble qu'il y ait un petit joint entre la coque arrière et cette plaque en fait qu'on vient déjà mettre avant cette coque arrière en finale. Hein. C'est le haut et le bas sont positionnés et la coque arrière vient sur le dessus. Et regardez, il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas de surépaisseur. C'est un jeu, mais alors vraiment infime de, allez, un micron. Hein, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien fini par vernis sur ce Apollo Light. Le défaut que je dirais tout de suite de ce modèle, c'est justement le châssis métal glisse beaucoup en main. Il manque très, très clairement de tenue, de finition qui permet d'avoir une tenue correcte en main, et je crains qu'il y ait de la casse parce que franchement elle glisse énormément. Vous le voyez, c'est vraiment là ce petit joint qui permet de finir très très proprement l'insertion de la dalle dans le châssis. C'est du beau travail, très honnêtement. Un travail qui est même légèrement supérieur à d'autres marques qui sont beaucoup plus installées qu'eux. Je parle de marque chinoise, bien entendu, hein, je ne parle pas de marque américaine ou coréenne, mais pour un premier modèle milieu haut, il est superbement bien fini. Il n'y a vraiment, vraiment pas de gros problèmes visualisables, en tout cas à l'œil nu, sur la finition. Alors, je vais le démarrer. Donc, ils suivent les recommandations de chez Google pour Android avec le logo Android sur le bas. Une police de caractère vernie qui suit un peu d'ailleurs la tendance, regardez bien, hein, Android. Et voilà l'interface de base livrée sur ce vernis Apollo Light de l'Android pur avec aucune fioriture, pas d'application autre installée, vraiment le minimum. Vous avez le Play Store. Vous avez messaging, ok, basique, voilà, quelque chose de très 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 simple. Si vous voulez du Maps ou ce genre de choses, ça sera à vous de l'installer.
parce que par défaut, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est vraiment réduit à sa plus simple expression et c'est très bien comme ça. Alors j'ai déjà configuré le Wi-Fi et vous le voyez, plein pot, aucun souci de réception du signal Wi-Fi. La borne est cachée derrière des meubles, donc très honnêtement, par rapport à d'autres modèles, très très bonne réception du signal Wi-Fi. Et on va regarder tout de suite les paramètres et on va déjà donc se mettre en français. Je vais faire tout ça avec vous. Sortie de boîte, comme ça, on fait ça ensemble. Bien entendu, comme je l'ai dit lors de la présentation, ce ne sera pas un test complet parce que je vais prendre le temps de le tester. Le premier aperçu est très positif. Maintenant, il faudra voir si effectivement tout ce qui est soft, téléphone en lui-même, communication, GPS, on verra si tout ceci fonctionne correctement parce que ça fait partie des points où on s'enthousiasme facilement sur un téléphone et derrière, lors des tests, eh bien écoutez, on déchante et il faudra valider que ce vernis Apollo Light fonctionne dans la vraie vie et fonctionne correctement. Donc on l'a mis en français. Je voulais vérifier aussi parce qu'on n'a pas le pourcentage de la batterie. Donc batterie. Donc ils n'ont pas mis en place le pourcentage restant de la batterie à afficher. C'est un point plus ou moins négatif. Il est mis en veille à économie d'énergie. Tout de suite, on va modifier aussi l'affichage. On va se mettre en adaptation de luminosité. On va modifier à 2 minutes la mise en veille. Et puis ça me semble pas mal de cette façon. Alors stockage. On a 25 Go sur les 32 annoncés. Classique. Voilà. Ensuite, au niveau de la RAM, sur 4 Go de mémoire totale, il nous en reste actuellement 2 disponibles, 2,6 est utilisé 1,1 Go. Ensuite, date et heure, programmation mise en marche, la navigation bar. Donc vous voyez que par défaut, elle est tout le temps affichée. Donc on va vérifier ce qu'il propose. Donc premier point, on peut la cacher et vous choisissez le type de menu que vous voulez. Donc avec la flèche, la double descendante, c'est pour afficher la barre de notification. Et moi, je choisis celle-ci. Voilà. Et donc on peut la cacher. Voilà. Et vous tirez vers le haut, elle s'affiche. Et c'est rapide. Voilà. Donc il n'y a pas de latence tout de suite comme ça, mais bon, le téléphone est vierge. Ensuite, les widgets, on va rajouter un widget d'horloge. Il est là, voilà. On la met en plein milieu. Voilà, on a l'horloge, ça me paraît plutôt pas mal déjà. Alors, premier point. En termes d'écran, ils ont mis un fond assez sombre, donc on voit pas très bien les bordures. On va changer le fond d'écran pour voir si on peut. Ok, et en termes de bordures, est-ce qu'elles sont fines ou pas? Eh bien écoutez, non, elles sont pas très fines. Ça paraissait pourtant assez fin, mais vous le voyez. Elles sont pas non plus super épaisses, mais elles ne sont pas super fines, les bordures d'écran. Je préfère un écran plus clair qu'un écran sombre. C'est mes goûts personnels, mais bon, ça permet de mieux voir quand même l'écran. Donc, un smartphone qui tient très bien en main, très honnêtement. Et c'est déjà plutôt un bon point aussi de ce côté-là. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est gérer la sécurité, parce qu'on va vérifier que le lecteur d'empreintes fonctionne correctement. Alors, le code PIN. OK. On affiche. Voilà. Donc, empreinte digitale. Continuer. Notre code PIN est localisé, bien entendu, comme d'habitude. Suivant.
Alors, ok, verrouillage, déverrouillage. Ok, verrouillage, déverrouillage, verrouillage. Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça semble plutôt... Ouais. Donc, il faut vraiment bien placer le doigt en plein milieu. Je décale un peu, ça marche pas. D'accord. Donc, il faut vraiment le placer en plein milieu. Mais je le trouve peut-être un petit peu lent. Bon. Ouais, un petit peu lent, je trouve, bon, par rapport à un modèle comme le X620 de chez Le Echo. Donc, c'est peut-être une mauvaise habitude que d'utiliser le scanner d'empreinte du X620. Mais bon, il fonctionne. Voilà, il déverrouille correctement. Il n'y a pas de. Il faut vraiment placer le doigt vraiment en plein milieu. Et là, ça fonctionne correctement. Alors, j'imagine que on va regarder tout de suite l'appareil photo. Et si on se met de cette façon, donc non, le lecteur d'empreintes ne prend pas la photo. Alors, l'appareil photo, on va récupérer notre personnage favori qui n'est autre qu'un phénix. Et on va regarder ce que cela donne. Alors, bonne focale, déjà, ça se voit parce que vous voyez la largeur tout de même. Alors, la photo, là, les couleurs sont juste magnifiques et d'une netteté parfaite. Donc, si on se met vraiment très proche, voilà ce que cela donne. Alors que oui, très très belle photo, vous le voyez tout de suite, un capteur, vraiment, regardez bien, pas de flou là, pas de piqué, pas de bruit, du vrai 16, ça fait le taf et plutôt bien, hein. Donc très très beau et plus lointain. On zoome et on zoome. Très très peu de bruit, vous le voyez, regardez bien. On le voit quand même hein, que c'est pas net, mais on a zoomé je ne sais pas combien de fois là. Du coup, on voit qu'il n'y a quasiment aucun bruit, pas de piqué. Et là, déjà à ce niveau de zoom, on voit que c'est très net. Les couleurs sont juste magnifiques. Très belle couleur, très beau rendu de brillance. Vous voyez qu'il y a vraiment un beau boulot de fait autour de la caméra. Ça, c'est vraiment un bon point. Déjà, la caméra fonctionne parfaitement. Le lecteur d'empreintes fonctionne bien aussi. Eh bien, écoutez, voilà les deux points que je voulais aborder avec vous. Comme d'habitude, la caméra, c'est vraiment le premier point que je veux tester tout le temps. Les gens proposent des lecteurs d'empreintes, est-ce qu'ils sont fiables? Oui, il est fiable. Maintenant, pour ce qui est du reste, eh bien écoutez, moi, je vous dis à la prochaine, parce que je vais me lancer dans un test grandeur nature sur ce modèle. Je vais le tester à fond et voir ce que Verny a su faire avec ce Apollo Light, mais il promet du très très bon. Donc voilà, pour aujourd'hui, avec ce Apollo Light. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, surtout à nous mettre un commentaire, à partager bien entendu à vos amis. Ça fait augmenter le nombre d'abonnés. Qui dit plus d'abonnés, je le répète, mais qui dit plus d'abonnés, dit plus de vues. Qui dit plus de vues, plus de pépettes de la part de YouTube. Et qui dit plus de pépettes, voilà un exemple de ce qu'on a pu acheter avec les pépettes de chez YouTube. Voilà. Et donc je tiens à vous remercier parce que grâce à vous... Nous pouvons tester ce Apollo Light et je tiens à vous en remercier. Et donc surtout, c'est un exemple même de notre façon de rester indépendant et vous dire tout le bien ou tout le mal d'un téléphone. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à ciao et à la prochaine.